Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Map Parcours, cette fois-ci sur un Map Parcours Ghost Run. Comme je n'ai pas d'amis pour faire des parcours, ben tout simplement je vais faire du parcours avec un fantôme, littéralement. C'est le principe de la map. Il y a un fantôme qui fait le parcours en même temps que vous et vous devez essayer de le battre. Ok, alors, un petit YouTube, c'est en 1.16 d'ailleurs. Voilà, chaîne YouTube The Blue Man 003, ça me dit quelque chose. J'ai déjà fait une map parcours de ce gars-là. Difficulté normale, difficulté hard. Ok, ah, il y a tout en double difficulté. Donc je suppose que le fantôme est plus rapide, tout simplement. Ok, on va faire d'abord en normal, là. Forêt. Ah, il a changé un petit peu la couleur de certains trucs avec pack de texture. Ah! Un petit peu pas. Hein. J'ai une petite avance par rapport au fantôme. Regardons. Oh, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ok. Ça fait un petit peu peur en vrai, parce que il se déplace pas comme un vrai joueur, mais il se déplace plutôt bien en vrai le fantôme. Je suis agréablement surpris, franchement. Je suppose que si je tombe sur l'herbe, je meurs, donc on va éviter. Ok. Attendez, j'ai envie de le voir revenir là. On jouera en mon avis en hard, on aura un petit peu plus de challenge. Après, c'est le premier niveau, mais j'ai juste envie de le voir arriver là, en train de sauter. Est-ce qu'on a perdu le fantôme ? Je me demande, est-ce que je suis trop loin du fantôme? Ah non, le voilà, ok. Prends son temps. J'adore comme il saute. Est-ce que s'il m'atteint... Non, je ne meurs pas. Juste, il me dépasse et puis voilà. Ok, c'est pas comme les Dragon Run. C'est pour ceux qui se souviennent, le Dragon Run, c'était un truc où vous deviez courir plus vite que le dragon et si le dragon vous rattrapait, vous mourriez. Il y avait aussi le Creeper Run qu'on avait fait. Qui était vraiment pas mal celui-là. Que je dois toujours trouver quelqu'un pour le faire en multi d'ailleurs. J'avais quelqu'un mais finalement c'était un peu compliqué. Donc yep, faut que je trouve quelqu'un de bon en parcours. Hey Jimmy, il est plutôt bon en parcours. Je devrais faire le Creeper Run avec lui. Ah oh, oui, carrément. Ok, bon ben ce niveau-là ça devrait être plutôt facile. Vu que littéralement j'ai dû attendre 3 heures qu'il revienne. Voilà. Ah maintenant on a le hard directement. Ah ok. Moi, je croyais que ça allait faire normal, 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 et puis on refait tout en hard. Mais non, en fait, c'est normal hard, normal hard, normal hard. Ok. Bon, là, il est juste derrière moi, c'est ça. Hein. Yop. Oh, il y en a deux. T'es sérieux? Yop. Ou alors, c'est juste... Oh la vache, il est rapide. Hein. Damn. Oh, j'adore. Regardez ça, comme il saute. Il est extrêmement rapide maintenant, la vache. Je me demande comment il l'a fait. Est-ce qu'il a enregistré ses propres mouvements avec des command blocks ou je sais pas quoi et puis il les rejoue? Je me demande franchement, parce que s'il a dû animer tout ça lui-même, ça doit être plutôt complexe. Donc selon moi, il a dû enregistrer ses propres mouvements. Par contre, ouais, il faut pas lui laisser d'avance parce que littéralement, hard, il est... Ok. Alors, en gros, normal, c'est il est débutant et en hard, il est genre, il fait le truc parfaitement. Il faudrait un juste milieu. Ben, le normal est pas assez dur en fait. Et le dur est juste... Littéralement, il faut pas s'arrêter une seconde. Ok. Donc cette fois-ci, je me fais pas avoir. Je garde l'avance. J'arrive à le rattraper un petit peu parce qu'il par moment, il marquait des petites pauses. Mais globalement, ouais, il est extrêmement rapide en hard. J'ai peur pour les prochains levels parce qu'à mon avis, la difficulté des levels va augmenter. Et le moindre petit fail va coûter cher. J'ai pas besoin de me retourner pour me dire qu'il est juste derrière moi. Yop, il est juste derrière moi. Ok, on va pas perdre de temps. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un skip par ici, mais non, pas vraiment. Il est juste derrière. Là, il marque une petite pause normalement, donc il va perdre du temps. Ok, j'ai peur de me cogner la tête à chaque fois avec l'arbre aussi. Ça, c'est stressant d'avoir genre un fantôme. C'est même pas un fantôme, c'est carrément un armor stand bien équipé qui nous... Littéralement, poursuit quoi. Ok, là, les trucs sont un peu trop proches. Yeah! J'ai gagné, sale fantôme. Niveau 2, Quartz Temple. Ok. 3, 2, 1. Bon, là, je pense qu'on peut y aller easy. Vu qu'il va mettre du temps. En vrai, il est un peu plus rapide que la dernière fois, non? J'ai l'impression. Non, ok. J'adore comme il baisse sa tête et tout pour regarder ses jumps, c'est tellement bien fait. Je suis vraiment impressionné par le mouvement. Alors, ça ressemble pas à un vrai joueur, quoi. Mais je suis impressionné par
les petits détails du mouvement quand même, genre il se tourne dans la bonne direction, on le voit prendre son petit élan et tout. J'avais de l'avance, mais yes. Voilà, alors maintenant du coup en hard, ça va être... On lui laisse pas la moindre avance, parce que là ça va être... En fait, il faut le voir comme ça. C'est, il faut terminer le parcours d'une traite sans ralentir. C'est vraiment ça. Du coup, j'aime bien le principe, mais je pense qu'il y aurait... Ah bah voilà. Ah, on recommence depuis le début. Ou alors... What? Ah non, ok. Oh, ok. Je dois attendre qu'il termine le parcours. Parce que c'est sûr et certain qu'il va gagner, quoi. Ok. Ça, c'est un peu dommage. Il manque un item pour reset. Juste un petit item pour reset, ce serait nickel. Ok, allez. Là, on le fait correctement. Parce qu'il faut pas déconner. Tac. Hop. 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 Checkpoint. Voilà, de toute manière, les checkpoints ne servent à rien. Parce que de toute façon, s'il me rattrape... C'est une bonne map, par contre. Pour ceux qui débutent en jump, qui veulent s'entraîner, je pense que honnêtement, elle est très bonne pour vous pour ça. Le mode hard n'est pas si hard. Il est juste... Le mode hard est plus le mode impardonnable. C'est genre, si tu commets la moindre erreur, c'est... Bah, c'est déjà fini, quoi. Mais en mode normal, oui, c'est plutôt pas mal pour les débutants en jump, je pense. Donc si vous débutez, n'hésitez pas à la faire, justement, ça vous aidera. Bon, elle est que sur Java Edition, mais... On pourrait la reconvertir... Non, en réalité, avec les command blocks, ce serait compliqué. Hop, hop, hop. Voilà. Après, je me dis, c'est que les deux premiers levels. À mon avis, les derniers, ça va être... avec le ghost qui est derrière en permanence, ça va devenir salé. Je le sens. Ok, un petit peu de level de grotte. Je le sens directement que ça va être du... castagnette de tête. Voilà, exactement. Mais tiens, si j'ai fail à un moment... Est-ce qu'en normal, on peut... Ouais, on peut le rattraper. Easy. J'adore comme il prend son petit élan. Et c'est comme faire du parcours sur un serveur. C'est genre, quand tu rentres dans un joueur, tu vois plus rien et t'es obligé de faire du parcours quand même. Donc c'est parfait. C'est assez représentatif des vrais parcours sur serveur et tout. J'aurais dû prendre à gauche en vrai. Vous avez vu? Oui, voilà. Celui à droite était plus difficile. Il a regardé à gauche et à droite avant de choisir à droite. C'était... J'adore ce petit détail, quoi. Franchement, je suis curieux de voir comment il a fait l'animation du joueur comme ça. Par contre, je pense qu'il aurait dû faire en sorte qu'on fait normal, 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 et puis on recommence en hard. C'est un petit peu dommage de directement faire le hard. Ok. 2, 1, go. Il me semblait bien, on peut skipper un petit peu ici. On va pas faire gagner énormément de temps, vu qu'il doit être juste derrière moi. Je le sais, hein. Je le sens. Je sens sa respiration dans mon cou. Il était littéralement en mode hey, « Salut Aurélien !» Bah voilà. La vache! Il est plus rapide que moi! Ça, c'est pas normal, par contre. Il est plus rapide que moi. Je n'ai pas ralenti. Il était plus rapide que moi. Je n'ai littéralement pas ralenti. Là, je viens de ralentir un petit peu. Heureusement que j'ai skip un jump. Ou sinon, il m'aurait battu, en fait. Ok. Là, j'ai skip deux jumps. Je suis sûr d'avoir un tout petit peu d'avance. Ah, ce serait bien d'avoir le temps... Il faudrait la distance, voilà, la distance par rapport au ghost. Je pense que ce serait parfait là, genre dire, oh, il a 2 mètres de toi, il a 3 mètres de toi, parce que là, je peux pas me permettre de... Oh, qu'il était juste derrière. Je peux pas me permettre de regarder, en fait. Donc, ouais. Hop. C'est un peu le même genre ici, un petit peu ambiance nether, nice. C'est plutôt... J'aime assez bien la décoration de cette map. Il a passé du temps, ça se voit. Et c'est plutôt sympathique. Ok, c'est gauche ou droite. Ah, ça, c'est... En vrai, c'est sympa, ça. Ça permet de voir un petit peu le ghost.
C'est vraiment du speed jump. Hein. Je m'attendais à une petite variation. Peut-être un petit peu des échelles, ce genre de choses. Mais c'est principalement du speed jump. Ok. Allez. Là, c'est le moment de vérité. Parce que, ben, comme avant, il nous a rattrapés alors que j'allais à pleine vitesse. Donc j'ai l'impression qu'on va nous faire le coup. Encore une fois. Est-ce qu'il y a des différences entre les jumps? Ouais, c'est un peu différent à gauche et à droite. Ok, il était à gauche, j'avais même pas vu. On a un petit peu d'avance. Ok, nice. Hop, hop. Ok, j'ai regardé vite fait. Comme dans les films d'horreur, il est en mode... Il regarde vite fait derrière lui, puis il y a le truc juste derrière. Il est en mode, oh fuck. C'est vraiment ça. Checkpoint. Hop. Allez, 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 allez. On perd pas de temps, surtout que je suis sûr qu'il arrive à nous rattraper. Sans aucune raison. Je pense qu'il a peut-être... Il doit avoir... Ah ok, bon, ça c'était... Yep, c'est fini. Et juste avant la fin. Juste avant la fin. Je pense que... Il a enregistré à vitesse normale et qu'il speed up. Attends. What? Alors... je pense... Est-ce qu'il a programmé que le truc pouvait fail de temps en temps? Je prends ça comme une victoire. C'est une victoire. Même si la machine a eu un problème, c'est... Voilà, c'est pas de ma faute si le fantôme a des problèmes de fantomisation, j'ai envie de dire. Ok, oh, ouf, ouf. Effet de speed. Est-ce que le ghost a les mêmes effets? Techniquement, oui. Bon, à mon avis, le ghost, il peut toujours faire les jumps, quoi qu'il arrive. Oh, fuck. Oh, fuck, il est juste derrière. Là, j'aurais dû avoir le checkpoint, hein, normalement, mais bon. Wow, ok. Un petit peu trop de speed, ça va. Oh, ça va me coûter cher, ça, quand je serai en hard. Là, on commence à avoir de la variation au niveau du parcours. Il aurait dû mettre cette variation un niveau avant, je pense. Il aurait déjà dû mettre le speed avant, mais... Aïe, c'est déjà pas mal. Ok. Si ça continue, par contre, je vais me faire avoir par le ghost en normal. Hein. Hop, hop, hop. Ouf. Et ben... Oh! Est-ce qu'il est au moins là? Ok, j'ai pas eu l'effet de speed. Oui, il est juste derrière. Ok. Faire pas de temps alors. Voilà, je marque la pause ici pour plus avoir ce speed. Qui est plus perturbant qu'autre chose. Un petit quad pour finir. Ok, nice. Maintenant, je crains. Comment dire? Ça va être compliqué ici. Ça va vraiment être compliqué. Go. Allez. Oh, ça commence déjà bien. Continuons, j'ai envie de voir si le... Oh, il rebondit et tout sur les slimes. Bon, c'est évidemment, c'est juste... C'est pour faire beau, hein. Mais c'est quand même bien fait, quoi. J'ai juste envie de voir s'il fail. Il a pris son temps, j'ai pu le rattraper. Alors, ça veut pas dire que je vais pouvoir le rattraper encore une fois dans le futur, mais... Ok, le créateur de la map a pensé à mettre un petit peu plus de timing cette fois-ci. Il sait que les jumps sont un peu plus difficiles. Il a mis du timing. Il a bien géré ce... Franchement, je trouve que c'est plutôt bien géré au niveau timing. C'est des fois... Beaucoup de problèmes avec des maps, c'est des problèmes de timing, selon moi, mais bon. Ouais, j'avais une réelle avance par rapport à lui, là. Au point même que j'aurais pu recommencer tout le truc. Ah, oh, il a fail. C'est programmé qu'il puisse fail. Est-ce qu'il est programmé pour fail quand nous, on fail beaucoup? Ok, tellement bien fait, quoi. Alors, par contre, il a une avance monstrueuse. Ouais, il est déjà pratiquement à la fin. Même s'il fail, là, c'est fini. Ok. Je sais même pas comment j'ai fail des trucs pareils, d'ailleurs, mais bon. Hop. Ah, là, oui, là, le même problème, il y a one. Ok, mais par contre, je sais que je peux me permettre de fail parce que lui aussi va fail. C'est une bonne nouvelle, ça. Ah, j'approuve. Ah, j'approuve fortement. Ah, j'étais trop vite. Lui aussi a fail. Nice. Je pense qu'il est programmé pour fail forcément ici. Oh, là, j'aurais pu fail aussi. Ok. Là, je dois pas fail. Par contre, c'est une partie que je suis obligé de réussir. Ok. Là, par contre,
C'est là que ça devient un peu plus chaud, on va dire. Voilà, perd le jump, enfin le speed. Yes, yes. Allez, yes, le petit quad pour terminer. Et maintenant, on a le dernier niveau. Donc, même si j'arrive pas à le finir en hard, au moins j'aurais vu le dernier niveau. C'est le plus important. Ouh là là, c'est du direct. Go. Oh là, ça va être easy. Est-ce qu'on a du saut avec l'eau? Il y a de l'eau à gauche et à droite. Ça ressemble un petit peu à un temple aquatique. Oh, ok. Ça va, il a laissé de l'écart. Ça va, ça va. Il est pas trop salaud. Speed, speed, speed. Il aime bien le speed, hein, le créateur de la map. Ok. Un petit... Encore? Ah, j'aime pas ces trucs-là. J'aime vraiment pas ces trucs-là. Hop. Ça va encore. Il laisse de l'écart, donc ça va, mais je les aime quand même pas. Ok. Avec le gosse, ça reste d'être plus complexe, on va dire. Ah, ça, c'était... Par contre, je me suis vu misérablement fail. À 3 km. Oh, ça, par contre, c'était misérable. Encore plus misérable. Je vais perdre en normal. Je vais vraiment perdre en normal. Ok. Il faut pas ressortir le moment où j'ai dit « Oh, c'est juste, c'est de l'entraînement, jouer en normal. » Et puis en hard, c'est le vrai défi. Parce que là, j'ai le vrai défi maintenant, bizarrement. Ok. Il faut vraiment sauter sur le bord. Encore ça. Ah! Non, il nous aura pas eu en normal. Nice. Incroyable, c'est en hard, mais à mon avis, ça va être compliqué. Water Temple, c'est vraiment le Water Temple, d'ailleurs. Ok, je m'attendais à des bouts de parcours avec de l'eau, mais il en a pas mis. On peut faire du parcours à l'eau aussi. Alors, j'ai pas envie de me retourner, parce que je sais très bien ce qu'il y a juste derrière moi. Et que je sais que ça va me faire peur. Heureusement, il a pas... Ok, bon, par contre... Ah, ok, il a... Ah, je lui ai enlevé sa tête. Damn it. Je l'ai décapité. Maintenant, il y a un gosse sans tête qui est en train de sauter devant moi. C'est un peu perturbant. Oh, la vache. Et overshoot, de chez Overshoot. Ok, il y a un gosse sans tête qui se balade. Est-ce qu'il a fail? Je pense qu'il a fail. Je l'ai vu se faire téléporter. Ok, s'il repasse devant moi, je lui remets sa tête, ok? Attends, j'ai ta tête. Attends. Ok, il a fail ici au même endroit que moi. Bon, ben je peux pas lui remettre sa tête, il est derrière moi. Oh, ok. Par contre, je sens qu'il ne va plus fail maintenant. Donc, on va se dépêcher. Voilà. Oh non! J'ai arrêté de sprinter. Oh, gros désespoir. Mais heureusement, il a fail aussi, ou sinon, il m'aurait battu là. Yes! Yes! J'ai toujours sa tête. Je suppose qu'en fait, quand vous le mettez... Voilà. En fait, il a changé... C'est comme ça qu'il a fait le skin, c'est qu'il a changé la texture des armures. Donc ça, c'est une armure en diamant, certainement. Et c'est comme ça qu'il l'a fait. Plutôt bien fait, franchement, cette map est bien designée et tout. C'est nickel, quoi. Je pense que toutefois... Ah, il aurait dû introduire un peu plus de nouveaux concepts dès le troisième niveau. Parce que ça, c'est... Oh, easy, easy, easy. Ça fait un peu jump normal, jump normal. Et puis là, on a introduit des trucs. Et il aurait dû introduire un petit peu plus tôt. Je pense que deux niveaux de plus aussi auraient été parfaits au niveau longueur. Et il aurait dû mettre un petit peu du jump avec des échelles ou autre chose. Là, c'était surtout du pur speed jump. Ah, j'ai perdu là. Ah non, elle est toujours là, la tête. Hey. Comme ça, on peut faire ça. Tac. Et maintenant, il y a... Oh. C'est le même armor stand. Tiens, ta tête. Je lui redonnais sa tête. Ou alors, ce que je peux faire, c'est juste lui piquer tout, en fait. Et le mettre moi-même. Et je deviens le créateur de la map, en fait. Ah, c'est largement possible. Attendez, il faut que je le rattrape maintenant. Damn, il est parti hyper loin. Ok, il est parti beaucoup plus loin que je ne le pensais. Stop. Reviens. Stop. Ok, donne-moi ta tête. Oh, maintenant, il est en arrière. Ok. Manque plus que la tête. On dirait juste un squelette qui saute maintenant, par contre. C'est un petit peu perturbant. Ah! Voilà.
Oh, c'est parfait. Juste voir l'armor stand. Et maintenant, je suis le créateur de la map. Et maintenant, j'ai juste à battre l'armor stand en étant le créateur de la map. Et j'aurai complété... j'aurai tout complété. Oh, fuck. C'est pas grave. C'est le créateur de la map qui a perdu. Donc, ça veut dire que c'est moi qui ai gagné. Merci à tous d'avoir regardé cette map parcours. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, en commentaire. On se retrouve pour une prochaine map parcours. Je ne sais pas pourquoi je parle aussi vite. Ciao.